je suis étonné que vous ne me posiez pas la question d'où lui vient ce nom, le jeune. Le jeune, c'était celui à qui on l'a vendu. C'était un jésuite, un père jésuite, qui à un moment donné ne savait pas quoi en faire, le donne en cadeau à un certain monsieur Couillard de la ville de Québec. Voilà. Mais nous sommes en 1628. L'esclavage est interdit. Assez ironique, quand, parce que l'esclavage n'était pas encore, n'était pas reconnu, on a reproché aux gens qui ont vendu Olivier le Jeune, et ils ont dit, ben non, la transaction a été faite en mer. Par conséquent, on a le droit de l'introduire ici, parce qu'on ne l'a pas acheté sur place. Bref, c'est une anecdote historique, mais qui est vraie et vérifiable.